Bonjour à tous et à toutes, c'est Ryoga et je suis en compagnie de Mademoiselle S. Bonjour. Mademoiselle S, j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'univers de Bonk ou PC Kid, un jeu sorti sur PC Engine en 1991. C'était un peu la mascotte de Hudson Soft sur sa console, la PC Engine, pour faire de la concurrence à Mario, Sonic et tout et toute la compagnie. C'est trop mimi. On doit choisir le con, le jeu complet, même si c'est un expert, il y a pas de souci. Et nous on est le petit bonhomme. Et nous on est Bonk avec qui est une tête en œuf. Ah voilà, habillé en homme préhistorique et en fait c'est très mignon, c'est très coloré. À l'époque c'est très rare parce que les jeux on sort de l'âge de pierre, j'ai envie de dire. Hein. On peut taper les et notre tête. Oui voilà. Comment on tombe la tête dans l'avant nous? Et même pire que ça, on monte les cascades. Oh. Regarde les pieds, les bras et tout. On bouffe les papillons nous. On est comme ça, on bouffe les papillons. Oh, on remonte dans l'eau. On remonte la cascade. Alors si vous savez comment, ça vous ferait rire. Et alors, en fait, Bonk, on va l'appeler Bonk. C'est avec la tête qui frappe ses ennemis. Avec la tête. Voilà. Donc là pour l'instant, on frappe des fleurs qui sont pas forcément très contentes. Heureusement qu'il a une grosse tête. Il a une très grosse tête. Alors ça c'est pas. C'est très mangaesque je trouve. Ah bah c'est typiquement japonais. C'est un produit. Ah, j'ai touché une fleur, du coup, je me téléporte. Oh, c'est un peu comme Wonder Boy, premier du nom. Quand on prend un item spécial, on est dans un monde spécial. C'est épique. Et j'avoue... Faut sauter sur les fleurs jaunes moi, à l'époque, j'avais pas du tout de PC Engine. Pastèque. Ça m'intéressait pas du tout. On peut voler, en faisant des tournes. Alors, on doit prendre les petits smileys. Et alors, c'est assez difficile à manier, en fait. Oups là. Pastèque. Oui, il y a des pastèques. Smiley banane. C'est des fleurs fleurs bananes à rigueur, ouais. Fleurly smiley banane pastèque. Alors le but cool. Je suis tombé. C'est pas grave. Le but c'était de récupérer les petits smiley et pour avoir des points. Trop cool. Bah, c'est un jeu très très et cool. Cette musique que la concurrence pouvait envier parce que c'est vrai que c'est beau, drôle. Quoi. Alors là on recommence un petit peu plus bas mais c'est pas grave, on va remonter. Ah non, on a commencé là-haut. On bouffe des petits plantes qui volent. C'est un jeu vraiment dans l'esprit des jeux d'arcade. Sauf que c'était sur console. C'est quoi ce truc? Ce truc c'est un méchant. Alors lui c'est un premier méchant mais il dort, mais on va essayer de le revivre. Avec la tête. Bam. Voilà. Il dormait, ouais. C'est pas très intelligent. C'est pas très sympa. Ouais. Ah t'es genre, je sais pas. Des raisins. Il dorme. Et vraiment... pourquoi c'est la revanche de ce petit personnage? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Parce que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième jeu de la série. D'accord, ok. C'est-à-dire que le premier m'a pas marqué particulièrement. Mais voilà le deuxième. Et le deuxième était énormément plus réussi que le premier. Il ouais. y a eu un troisième épisode, et même des épisodes sur la console Super Nintendo. Mais ça, c'est vraiment le deuxième qui est le plus connu et le plus réussi. On pousse la fleur. Oui, en fait, j'ai compris. On pousse la fleur pour pouvoir choper les fleurs. Maintenant, on va avancer. Oh. Donc, voici un jeu que j'ai découvert sur Game Boy. Parce qu'il y a eu une version sur Game Boy. Alors, je dis PC Kid depuis le début, mais c'est faux. C'est PC Kid. PC Kid comme PC Engine. D'accord. Parce que le personnage est devenu la mascotte de. Il est pas content. Il a mal à la tête. Et sur les consoles Nintendo, on a eu une version qui s'appelait PC Kid. Comme B comme Game Boy. Enfin, bref. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Alors là, il s'énerve parce que il a mangé de la viande. Vraiment pas content. Et alors, il est en feu et il fait des. Parce qu'il est végétarien depuis le départ, je crois, non? Non, pas particulièrement. Il fait des tremblements de terre quand il tombe sur le sol. Mais là, c'est fini, le pouvoir est terminé. Oh, je vais pas manger de la viande. Alors, nous prend vers le haut. Ouais. Il nous prend vers le haut. Ça nous permet de planer. Plus haut. Voilà, donc c'est un jeu complètement fou, très manga, effectivement. Mais on dirait Krillin de Dragon Ball Z, hein. Enfin, voilà, avec la tête et tout. Non? Oui, effectivement. Effectivement. Alors là, comme un poisson. Oh là là. Ah, de la viande. Il devient méchant. Et il devient agressif. Le feu immobilise les ennemis. Là, ça y est, j'ai perdu le pouvoir si je me fais toucher. Donc on peut enchaîner les sauts comme ça. Il y a des monstres qui se cachent dans les fleurs. Il y a des fruits partout. Tu vois le premier boss, boss avec la fleur aussi. On a tout le monde à la maison. Et on a un cœur bleu. On a deux cœurs bleus, en fait on va mourir. On va mourir les amis. Heureusement on a eu le boss. Ah oui quand même. Et on saute haut. Enfin j'ai l'impression que c'est sympa. C'est selon comment on rebondit sur les ennemis. Ah d'accord. Oh des raisins, ça fait du bien. Éboulement. Ah bah on est mort. Alors on est mort, on dort en fait. Ah. Et on a la possibilité de revenir. On a une vie, on a trois vies actuellement. Oh bien. Un os.
Enfin, c'est très... oui... Oh! Oh, la grosse viande. Ça va faire mal. On devient fou. Et là, on est invincible, on a, en fait. On a deux têtes. On est invincible et on a deux cerveaux. Et là, ça fait on vraiment mal. On est lourd. Et on est très méchant. Et on est très lourd. Ah oui. Ah là, je suis devenu... Ah bah là, j'ai perdu. Ah, à cause de la lave. On perd... Hop là. On perd une portion de pouvoir à chaque fois qu'on tombe. Dans la lave. Ouh. On peut taper vers le haut avec notre grosse tête. Exactement. Comme ça. Bim. Oh, le gros cœur. Donc il y a des bonus à gauche, mais bon, je fonce. Et on enchaîne les niveaux comme ça. Ah, ça, il commence à manger des burgers maintenant. Il est passé des fruits aux frites. Très bien. Avec la tête. Il se laisse tomber, ouais. Ah, il est lourd de la tête, en fait. Il est très lourd, ouais. Une très grosse tête. La lave, ça nous crée un passage. Ouh. Là, ça va faire mal. Descends. Voilà. Ouais. Ah, il craint pas là. Ah oui, alors il monte. Ah, il craint pas avec voilà, ses il dents. Il monte avec les dents. Ça, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir, c'est mais. C'est drôle. Ah, il est vraiment pas content. Ah, il crache du feu. Il est vraiment méchant. Oh mon dieu, mon dieu. Ah, il est moche. Ah, il a perdu une tête. Ouais. Il a encore une grosse tête. Mais quel personnage! Je sais pas si c'est un gentil ou un méchant. Hein. Bon, il est gentil, j'avoue. Regardez! Je sais pas, hein, quand il a les deux têtes, il fait peur. Hein. Oh, il est surpris. De la viande! Oh là là, le cœur! Et les cœurs qui tournent en 3D, c'est drôle! Ça me rappelle un peu, je sais pas, des personnages de Cartoon Network il y a 10 ans. Ah! La viande! Oh, essaye. Oh non, elle disparaît. On peut rebondir sur les murs, mais là, c'était pas suffisant. Elle disparaît. Cette musique volcanique. Ah, et ça, c'est la navette vers le boss. La navette. Le boss du premier monde. L'ascenseur. Ah, là. Non, on fait confiance. On descend dans la navette. Normal. Oh, attention. Il faut des cœurs, je crois. Mais on en aura pas. Ah, là, on est avec le... Ah, ça, c'est le boss, en fait. Ah, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu ça. Attention à la pique. Ah, j'aurais pu encore lui taper sur la tête. Ah oui. Bon, là, il va chuter de la lave et faire attention. La lave vient vers nous. Elle retombe vers nous. C'est ça, non? Voilà, voilà. Bon, bah ça va, non, moi, je reste tranquille, zen. Hein. Je reste zen. Je vois ça. Avec la tête. Sur la tête. Avec la tête. Tu restes très zen, hein. Oui, il y a que ça à faire dans ces moments de difficulté. C'est pas très difficile en fait. Et la tête. Et la tête. Et la tête. Ouh, 4-5 fois là. Ce personnage est très attachant en fait. Oui, puis ça fait partie de ces mascottes qui ont disparu finalement. C'est vrai. Parce que il a eu quelques jeux, il a pas fait son passage à la 3D. Ah. Aïe. Bon, ça va aller là quand même. Ah. Il a eu combien de jeux? 3 sur PC Engine. On l'a eu. Il y a eu même des spin-offs, ouais. C'est-à-dire il y a eu un shoot 'em up avec lui. Ah ouais. Complètement délirant. Ce sera à faire éventuellement à l'occasion. D'accord. Il y a eu des jeux sur console Nintendo, donc sur NES, sur Game Boy. Moi, c'est cette version-là que j'ai connue. La version Super Nintendo que j'ai... Ah, alors là, c'est pareil. C'est un petit jeu à la Kirby. Il fallait que j'appuie pour monter le plus haut possible. C'est nous qui contrôlons. Ah, j'ai raté. D'accord, ok. Voilà. Et alors, c'est une section de niveau sans queue ni tête. Hein. Faut pas chercher une logique particulière dans les niveaux. C'est très répétitif, mais c'est très bon enfant. C'est un peu comme Kirby, quoi. Ça se fait... ça se mange sans fin. D'accord. C'est très mignon. Et il y a plein d'univers différents ou on reste dans des forêts, un peu... Bah, c'est ce que je vous dis. Ça enchaîne un peu du niveau de glace, de forêt. D'accord. Sans réelle cohésion. D'accord. Mais voilà, par exemple, là... Oh!
on peut passer comme ça. Je crois que c'est tout. Chouette. Mais il y a des petites nuances de gameplay qui apparaissent au fur et à mesure. Non, c'est chouette, il y a plein de petites idées. Oh, il y a des pics en haut. Hein. Ah là, c'est la petite fleur qui nous met dans les niveaux bonus. Ouais, c'est tout. Hop. Ah. Attention, les piranhas. Alors, on peut nager. Il y a des piranhas, on peut, est-ce qu'on peut aller là-dessous? Non, on peut pas aller là-dessous. C'est la rivière des piranhas. Oh. Les piranhas sont pas très offensifs. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Voilà, par contre, oui, bah, c'est un joli bestiaire de grand n'importe quoi. C'est vrai, donc, y a des plein poissons, de poissons avec des lunettes qui ne savent plus quoi faire. Piranhas. Oui, je les frappe, les piranhas. Ah oui, carrément. Oui. Alors voilà, en fait, j'ai pas eu trop de murs, de grands murs depuis le début, mais dans l'idée, voilà, on peut monter avec les dents. Oh, elle est méchante avec ses dents. Mais c'est très joli. C'est-à-dire que c'est sorti en même temps que Super Mario World, par exemple. Ah d'accord. Donc Mario World est un jeu très coloré, mais ça c'est largement... Non, c'est très coloré aussi. C'est hein. beaucoup plus beau, quoi. Enfin, les graphismes sont beaucoup plus... Ouais, c'est vraiment magnifique, tout ça. C'est vraiment du dessin animé, ça c'est un oui, jeu, oui, on est dans un dessin animé. Exactement. Il n'y a pas eu de dessin animé, du coup? Pas que je sache, mais sûrement. Enfin, c'est au Japon, ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu des séries de manga ou... Sûrement de dessin animé. Bah oui, oui. Mambo Jungle. Ah non, Bamboo Jungle. Alors comment on monte? Alors voilà. Avec les dents. Et alors ça vous rappelle pas quelque chose? Et on se lance. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et qu'est-ce que c'est censé me rappeler? Un jeu Sega qu'on aurait vu il y a quelques temps. Ah oui? Avec Alex Kidd. Avec Alex Kidd. Alex Kidd in Shinobi World. D'accord. Il y a Alex Kidd qui monte des... Qui se balance à une barre transversale comme ça. D'accord. Qui peut monter. Ah oui. Le ninja. Oui, Alex le ninja. Kidd en ninja. Oui, le ninja. Bon, après, qui a fait quoi en premier? Je sais pas, parce que... Ah, il y en a trop, là. Faut aller d'un côté à l'autre. Alors, il y avait une fleur aussi, là. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça va nous aider. On devient méchant. Non, mais c'est transformation à la boue, en fait, un truc. Oh, il a l'air méchant. Oh, moi, j'aimerais pas le croiser dans la rue. Ah bah non, non. Fuyez, hein, si vous croisez un petit bonhomme comme ça. Oh. Sur le pic. C'est pas facile, hein. Ça va, mais en fait, bon, après... C'est agréable, mais c'est... Oui, enfin, c'est... C'est pas très... Oula, oui, j'enchaîne bien, là. Wow. En fait, c'est selon comment on appuie, d'accord, on peut enchaîner les poutres. Sportif. Ou on peut se faire surprendre et perdre tous ses cœurs. Ah, ça nous permet de sauter. Ah non, ou pas. Je sais pas. Ah, une fois. Oh. Alors, j'ai pas exactement compris à quoi elle nous sert, celle-là. Oh. Avec la tête, quoi. Les pierres avec la tête. Alors la musique, c'est la musique un peu à la Ranma 1/2. Kenji Kawai qui fait des sonorités distordantes. Hey, aïe les cœurs, aïe les cœurs. Il nous faut des pommes ou des choses. Faut manger, hein. Oui, j'essaie. D'accord. La 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 la. Ah, cette musique. Ah. Manger, mourir. Manger ou mourir. Voilà. Oui, c'est ça. Bah, go. Après, les fruits, c'est vraiment go que pour les points. Faut aller à droite. Hein. Alors, une fleur. Non, les fruits, c'est pour les cœurs aussi. Hein. Non. Si, ça fait des cœurs. Pas que je sache. Si. Go. Go. Ah, voilà, ça, c'est la musique. C'est la musique, c'est le thème principal. En tout cas, c'est celui que je connais parce que c'est celui qui était dans la version Game Boy. D'accord. Dans le ciel! Des hamburgers dans le ciel! Il y a beaucoup, beaucoup de choses à manger dans les jeux vidéo, je remarque. Oh, bah c'est quand même un petit plaisir de la vie, hein. Petit plaisir dans un petit plaisir, d'accord. Alors, comment je vais bien rebondir? Alors... Sûrement depuis la marche. Ah oui, c'est vrai que là, ça a pas fait de cœur. Lui, non, ça fait pas de cœur, les fruits. Mais j'ai l'impression qu'avant... Bon, c'est pas grave. Ah, attention. Voilà, ah, la oui, banane, ces fruits-là, oui. Certains fruits, pas tous. Que les fruits et légumes, hein. Parce que les burgers, non. Hein. Oh, oh, une un belle poulet. Un poulet qui vole. Poulet qui vole.
Ah, les cœurs sont remplis. Ah bah c'est une très bonne chose. Burger. Ça, ça donne des points, mais c'est... C'est drôle. Ça donne faim. Bah oui. J'ai les entrecôtes qui se baladent. Son gros cœur. Aïe. Ça m'a pas fait mal. Ça, ouais, c'est une belle petite pique. Cette pauvre plante. Alors là, c'est cette pour un, musique c'est pour un est très bonus. Épique. Bah ouais, content qu'elle vous plaise parce que c'est vrai que c'est un joli thème. Et du jeu. Aïe. On passe en dessous. Aïe. Ça devient des esprits maléfiques, c'est horrible. On s'enfuit. Oh, je fuis, moi. Bye. Bam. Attention au pic. Il y a beaucoup de choses à l'écran, hein. Enfin, il y a plein de petits monstres, il y a des fruits... Ah bah là, fruits, il commence à des... sérieusement m'embêter, là. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, là. Ah, on va mourir. Ouais, mais on a des vies, on a des vies. Oh. Une petite sieste, et on est de retour. C'est reparti. Hop. Ah, ça, c'est... D'accord. Bah, ça s'ouvre. Ça, c'est une surprise. Ah, le smiley. Ça fait quoi? Les smileys, c'est les points ultimes. Les points ultimes? Bah, faut l'avoir, alors. Oui, je fais le ménage. D'accord. Avec alors, les dents. Ouais, avec les dents. Non, oh. Ça marche pas. Faut être sur le bord. Ah, bah, top. Côtelette. Cuisse de poulet. Cuisse de poulet. Bon, on va établir un petit menu avec tout ce qu'il y a dans ce jeu. Et... Les ananas. Lui, je l'aime pas, lui. Hein. Non, moi non plus. Il est pas très beau, c'est, un... trop, c'est trop une grosse pique, quoi. Et c'est parti pour le boss. La sans... ah, il est content. Il est content d'affronter le boss. Gros sourire. Aïe, ça commence bien. Ouais, c'est gentil. Oh. Oh, c'est un QR code. Non. Non. Si, sur son nez. C'est un QR code. C'est une cible. Ah. C'est pareil, hein. On va mourir. Ah oui, là, il est agressif. Je m'en souvenais pas de celui-là. Alors pourtant, je me souviens avoir fini le jeu. Bye bye. Mais c'est vrai que... Hey. Voilà. Ah non, j'ai eu, par contre. Ça allait plus vite. Ah bon là. Ouais. Ah, il a des petites larmes aux yeux, oui. Il peut pleurer, va. Bah, j'ai pas trop compris parce qu'on a eu mal et lui aussi. Bon, bah. Alors là, on va essayer de l'avoir cette fois-ci. Allez, go. Oh, oh, oh. Appuie, 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 appuie. Non, comment ça marche? Je sais pas. C'est lourd. Je sais pas, je sais pas comment ça marche. Faites l'autre bouton. Round 3. Oh la neige. Et la Snow Mountain. Oh la neige. Est-ce qu'on glisse? Et non, on a pas froid? On glisse sur la tête? On a une bonne peau de chamois, ça va. D'accord, c'est quoi ça? Oh! Oh, c'est des. Dinosaures. C'est des aurores boréales! Oh, le... Oh! Ah, ah! Ça marche! Cool! Oh, what? Grab items! Ah oui, c'est pas mal ça! Jump and spin! Comment ça marche déjà? Je crois sauter qu'il faut. Sauter et tourner! Alors, ça! Tourner, 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 tourner! Ouais! Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Waouh, tu connais par cœur. Mais c'est pas connaître par cœur, c'est je suis le chemin. Ah non, c'est carrément que tu connais par cœur. Ah si, si. Oh, aïe, 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 ça doit faire mal aux doigts, j'imagine. Oui, ça fait un bout d'un moment, tu fatigues. Ça fait mal aux doigts. Bon, c'était très bien. On peut pas l'avoir le dernier en sautant? Non. Non, bon, allez, arrêtez. On en a quand même eu 7. C'est pas mal. 7 et 7 fruits. Oh, il y a des choses qui se passent là. Ah oui, d'accord. Ah, la neige, ça nous fait mal, en fait. Oui. Parce que c'est froid. Ah, tout est méchant, en mais fait. Tout est méchant, donc en fait, oh, on peut perdre un petit steak. Ah, il était bien caché, lui. Un gigot. Bien caché. Ah, il y a des choses cachées. Je peux pas montrer, là. Il y a des petits pics. Oh, un igloo. Casse l'igloo. C'est pas gentil. Ça va. Si se trouve quelqu'un habité cette fois. Bah, c'est fini, même. Oh, il est gros, le dinosaure, en fait. Mais il se cache bien. Oh, le dinosaure, il a l'air je glisse, tout con, tout mignon. Ah ouais? Bah, je glisse avec ah oui, oui.
Allez, c'est trop drôle. Eh, hey, reviens si t'es un triceratops. Il faut la... Il faut... C'est un mini-boss? Ça, c'est un mini-boss. Et il est cool avec sa musique, ouais. Oh, la musique! Ah, trop bien! Des sources chaudes. La musique devient zen. Allons prendre une douche dans les sources chaudes. Casse tes égouts, toi! Mais je suis omnivore. Tirer la maison de Pingou. Où sont les sources chaudes? Il y a trop de boss, il y a trop de monstres, il y a trop de trucs. C'est pas possible. Pourquoi tu le suis comme ça, toi? J'ai envie. Sur ta tête? Avec ma tête, je vais vous avoir avec ma tête. Ah, j'ai pas vu. Encore une vie. Avec la tête. Oh, il y a un drapeau. Et bim. Trop de choses. Ouais. Encore deux cœurs. Ah, il y a vraiment trop de choses. Oh, un cœur et demi. Il y a trop de choses. Ah, les sources chaudes. Avec des piranhas. Je crois que ça va nous cramer. Ah ouais, les piranhas, c'est pas normal quand même qu'il y ait des sources chaudes. Enfin, je comprends. What? Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. D'accord. Les fruits. Lui, il nous a bouffé un cœur direct, hein. Oh, ah, ça commence à devenir c'est méchant. C'est le tombeau du mammouth. C'est trop bien les noms, ils sont trop bien trouvés. Par contre, on s'est pas trop reposé dans la source chaude. Hein. Enfin, je dis ça. Moi, je m'attendais à une petite séance, un petit bain, je sais pas. Mais... Oh, oh, aïe, oh, ça pique. Aïe, c'est mal ici. Il nous faut des fruits ou des aïe. Mais tout pique! Je le savais! Bah, moi non! Oh, on va mourir! Et on a plus de vie! Faut la voir, hein. On peut pas mourir! Hein. Ah, là, c'est bon, on a des pieds! Attention! Allez! Des petits cœurs! On glisse sur le mammouth! Ouh, c'est bien l'effet ça! Ah, haha. Il y a du spin. La musique qui fait peur. Du univers. Ça me rappelle un peu le niveau glace, château glace de Alex qui Wonder Way. C'est la même époque. Ah. Les fruits. Oh. Oh. Faut sauter pour l'autre. Allez, on saute. Oh, je le savais. Des fruits. On a besoin de cœur, hein. C'est quoi ça? C'est savon. C'est des savons qui font mal. Aïe. On peut pas remonter? Oh non, c'est trop méchant! Ah bah oui, parce qu'en plus là. On va se réveiller là? Ça va que c'est game over, mais. Ah non, encore une chance. Mais comment je monte? Comment? Mais c'est trop méchant? On peut pas. Ah, très bien. Un rebond, mais alors. En fait, voilà, comme ça. Ok! Et on refait. On a gagné une vie. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi, on appuie sur les deux boutons en même temps et puis il remonte. Ah, ouf! Parce que sinon c'était un peu méchant, ouais. Enfin. C'est censé nous transporter, pas nous faire du mal. Il fait les deux en fait. Oh. C'est dur. Ça va. Ça va, hein. Bah des vies on en a, donc Oh, miam miam. Sa petite tête quand il mange. Il ressemble un tout petit peu à... Ah, ça c'était pas prévu. Ah, ça fait mal quand même. Hein. Ah. Les fruits, vite, on a plein là. Allez, le petit rebond. Voilà. Et voilà le. Ah, les côtelettes. Oh, les côtelettes, s'il vous plaît. Et le boss, qui, si je ne m'abuse, est une autruche. Dans un château de glace. Tout est très logique. Ah, tu as bien évité le centre.
Ah, ça c'est une autruche. Attention, un cœur, il reste un cœur. Ah, on est mort. Ah oui, d'accord. Oh là là, elle est trop belle. Elle est belle, mais elle est pénible. Oh, elle nous bouffe un cœur à chaque fois. Hein. Oh, comme elle tombe. Oh, cette musique élégante. Non, en haut, oh, c'est ouais, on est mort. Elle nous a atomisé. Game over. Elle est forte. Elle est très forte. On n'était pas suffisamment préparé. On pourrait continuer, mais ce sera pour une autre fois. Bah oui. PC Kid sur PC Engine en 1991. Et le rival de Mario et de Sonic à l'époque. Ah, il est chouette, il est chouette. Et qui a eu des volets qui s'appelaient PC Kid sur les consoles Nintendo. Voilà. Merci, Mademoiselles. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous pour de nouvelles et prochaines aventures. Yes. Pourquoi pas le Shoot Them Up, PC Kid. Shoot Them Up. Shoot Them Up. Oui. Merci à tous. Bye bye. Bye. Et donc, si vous vouliez voir à quoi ressemble le Shoot'em Up avec Bonk, eh ben c'est R-Zonk. Mais Bonk... Me demandez pas pourquoi Zonk. Mais pourquoi c'est un héros. C'est un héros, il est capable de tout. Il a des lunettes de soleil. Il a grave la classe. Il affronte encore des mammouths en Shoot'em Up. Quoi. Oh, ouh. C'est intense, hein. C'est très intense. Il y a de la lave et tout. On retrouve tout le monde. Et la musique. Ah. Il est en costume, il est en costume. Il est tombé en costume. Ah, il revient. Il a des cicatrices, c'est un bad boy.